Bonjour, c'est Bruno Pelletier-Bacquart. La vidéo d'aujourd'hui va être en quelque sorte une continuation du vlog de la dernière fois. Je vous rappelle que je vous montrais des exercices qui nous faisaient passer d'un accord de 7e majeur sur un accord avec une 6e majeure. Donc là, on va inclure ce petit mouvement dans un anatole, ce qu'on appelle un turnaround en anglais, 1, 6, 2, 5. Alors, vous avez un PDF que je vous invite à télécharger gratuitement, vous le trouverez dans les notes. Et voilà ce qui se passe. Donc la première ligne, on est dans la tonalité de Si bémol. Première ligne, on va voir donc Si bémol majeur 7e que je transforme en Si bémol 6. Je vais ensuite sur un Do mineur 7 qui va se transformer en Do mineur 6, mais comme vous l'avez compris la dernière fois, c'est aussi un Fa 7, plus exactement un Fa 9 avec une 9e. Hein, donc c'est un Fa 7 avec une quinte à la basse. Alors ce qu'il est bon de savoir aussi, ce que je ne vous ai pas vraiment dit jusqu'à présent, c'est que ce que j'appelais un Si bémol 6, c'est un accord majeur avec une 6e majeur, elle aussi. Il se trouve que c'est aussi un reversement d'un accord de Sol mineur 7e. Cet accord-ci, Sol mineur 7. Donc j'ai Sol, Si bémol, Ré, Fa. Et là, je retrouve exactement les mêmes notes. Sol, Si bémol, Ré, Fa. Donc, l'accord en question, on peut le dénommer de façon différente. On peut dire que c'est un Si bémol 6. C'est comme ça qu'on avait vu jusqu'à présent, et c'est en fait c'est un peu logique parce qu'on a un Si bémol à la basse, donc on peut dire oui c'est un accord Si bémol 6. Par contre, il faut comprendre que c'est aussi un renversement de ce Sol mineur 7e qui lui est un accord diatonique, c'est le 6e degré dans la tonalité de Si bémol. Donc quand je dis 1, 6, 2, 5, quand je dis 6, je ne parle pas vraiment de l'accord lui-même qui est 6e, je parle en fait du 6e degré dans la tonalité de Si bémol, qui est Sol mineur. Donc je vais avoir Si bémol majeur, Sol mineur 7e, suivez, Do mineur 7, et ici, Fa 7. Et on retrouve exactement les mouvements de l'accord que je vous avais montré la dernière fois. On fait simplement descendre la 7e, majeure ou mineure, jusque sur la 6e. Voilà, donc ça c'était pour la première ligne. La deuxième ligne, on commence pareil. Si bémol, majeur 7e et ensuite majeur 6 pour deuxième accord. Maintenant on va voir un Do mineur avec une 11e. Et le Fa 7, c'est un Fa 7 qui est le plus générique. Vous reconnaissez peut-être cette forme d'accord. Hein, ici on appelle ça un Do 7. Donc si je monte ici, c'est un Fa 7. Par contre, avec la quinte à la basse, l'accord est un petit peu plus stable. Voilà, donc. Alors, l'intérêt de cet exemple-ci, c'est que j'ai la même note qui survole les quatre accords. Voilà, donc c'est un Fa qui reste au-dessus de chacun des accords. Ligne numéro 3. Donc je commence avec les deux mêmes accords. Maintenant, je retrouve mon Do mineur 7e qui se transforme maintenant en cet accord-ci. Alors j'ai écrit Fa 7 avec une 9e mineure, mais vous voyez que c'est aussi un accord diminué, c'est un Do diminué. 7e diminué. Hein. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est simplement cet accord-ci, donc Fa 7 avec une 7e mineure, avec la quinte à la basse. Et cette quinte, je la retrouve sur la 6e corde, même case. Voilà, donc ça m'évite un mouvement supplémentaire avec la basse. Je passe simplement de ce Do mineur 7 à ce Do diminué qui, lui, me donne la sonorité d'un Fa 7. Donc, voilà, c'est l'anatole complet. Ligne 4. On démarre toujours avec les deux mêmes accords. Par contre, maintenant, je vais avoir Do mineur avec toujours la 11e. Et là, c'est un accord
accord de facette, donc c'est le même accord en quelque sorte qu'on avait ici avec la quinte à la basse. Par contre, ma quinte, je la descends d'un cran. Donc c'est une quinte diminuée. Donc cet accord-là, je vais l'appeler facette avec une quinte diminuée. Et il se trouve que la quinte se trouve à la basse. Les plus perspicaces d'entre vous vont remarquer aussi que c'est un accord de si 7. Je vais avoir si, ré dièse, la et une quinte diminuée au-dessus. Donc c'est ce qu'on appelle une substitution tritonique. Si vous savez déjà ce que c'est bien. Si vous ne savez pas, on en parlera peut-être dans une vidéo prochaine. Donc en clair, cette forme d'accord pourrait avoir deux noms. Je peux appeler ça si septième avec une quinte diminuée ou alors fa septième aussi avec une quinte diminuée. Mais la quinte maintenant se retrouverait à la basse. Voilà, il nous reste un seul exemple, le tout dernier, donc la dernière ligne. Je commence avec le même si majeur 7, si bémol, pardon, majeur 7. Et là, j'ai encore un accord diminué, mais là cet accord diminué, je l'appelle maintenant sol 7 avec une neuvième mineure. Donc il se trouve que le sixième degré dans un anatole, bien souvent en jazz, on va le transformer en accord de dominante, c'est-à-dire théoriquement, diatoniquement je devrais dire, le sixième degré devrait être mineur, donc c'est un accord de mineur septième, mais pour rendre les choses un petit peu plus intéressantes, en jazz on va souvent transformer cet accord de septième mineur en accord de septième de dominante. Donc mon sol, au lieu d'être mineur, on va le rendre sol 7. Et plutôt que le jouer là-haut, on va le transformer en accord diminué. Parce que comme vous l'avez vu deux lignes plus haut, on pouvait utiliser un accord diminué en guise de substitution pour un accord de dominante. Donc ici, je commence avec ce si bémol majeur, si diminué, qui est donc ma substitution pour mon accord de sol septième. Et c'est donc une transition en demi-ton, parce que maintenant, à la basse, maintenant je tombe sur un accord de do mineur, avec la même onzième qu'on avait vue, et je termine avec l'accord facette, avec la quinte diminuée. Donc on a ça. Jouer ça aussi en grattant, hein, ça. Tous les exemples que je vous ai montrés sur cette page, vous pouvez les jouer au médiator. C'est pas parce que je joue avec les doigts que vous êtes obligé de le faire pareil. Fini pour aujourd'hui. Donc faites-moi savoir si vous avez des questions, des problèmes avec les doigtés ou si mes explications n'étaient pas suffisamment claires. Voilà, à une prochaine fois. Au revoir, bon boulot.